sub qui manque. C'est Dans déjà tous le les nombre de cas, les viewers en subs fait. offerts ne marchent pas. Ah, C'est merci ça. Marcellus. Merci beaucoup à toi. Et merci Marcelito pour ton sub. Faut que je déplace Merci d'ailleurs pour tout. l'alert box. J'ai ton Pas petit l'oublier. coffre. Et t'auras ton petit ornement pour le mini-jeu quand on fera des mini-jeux. Alors, un Osamodas qui a un magnifique Muldo, un Alors, petite pause Sadida, sur. un Sacri, un Roublard qui sont Volcorn, un Alors, Pandore Baragodin. on note déjà un Roublard qui a l'air de jouer sur le mode haut. Red PA, c'est classique. Par contre, on a quand même un bouclier. Résistance, distance, esquive PM. Côté Sacrieur, on est sur un mode. Ça ressemble à un mode feu quand même avec un marteau possédé. On est par contre sur un bouclier reste distance. Et côté Upper Mage, on est sur un mode feu également. Potentiellement aussi marteau possédé. On est en 5 PM d'ailleurs sur tous les persos. Bonne esquive PM d'ailleurs, 105, 76 et 101. Et en face, on a un panda qui joue sur un mode feu marteau possédé également. Côté Zefing, le Sadida, on est sur le mode relique de l'aurore pour multi-éléments. Pas beaucoup de résistance terre, ça aurait pu être une bonne option. Et côté Ozamodas, on est sur le mode terre-air assez classique. Alors, du côté du panda, on a la rattraperie hein, quand même. On est un peu le mode de Lenny là. On voit la mobilité du panda qui se rapproche un peu de Lenny. Quoi? Comment ça, c'est pas habitué la rattraperie sur Lenny, mais si. Totalement. Si, si, sur une ici. Peut-être un peu moins que sur le panda quand même. Je sais pas, Punch peut Oui, peut-être nous mais. sortir la stat. Alors, du côté de l'Oza, 4600 PV, on est bien tanky aussi sur cet Oza Channel. Ça stack les invos au fond du terrain là. Shanghai qui va pouvoir balancer ses runes là si jamais il est à l'autre bout du monde donc c'est compliqué. Après, quand tu regardes les PM de la team de squad là, ils ont 9 PM chacun. Et du côté, et en face, ils ont 5 PM. Un bouclier Monkey Poo sur le Sacri, c'est un Sacri Red PA, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, le Sacri Red PA, nouvelle méta. Hein. Ok, c'est pas Bon, c'est mal, surtout c'est bien vu. pour les restes distance. Hein. La Kawotte pour bloquer le panda, c'est plutôt bien vu. On l'a déjà vu, hein, cette Kawotte Némésis du panda, là. On l'a déjà vu. Bon, là, il n'est pas pacifiste avec une boîte à outils, donc il peut quand même essayer de tuer la Kawotte. Je sais pas quel mode il a, le panda. C'est vraiment full tank, il n'a pas de dégâts. C'est un mode feu un peu tank, effectivement, Non, ouais, non, mais non, ça je tape pense quand qu'il a des même. dégâts. Et il peut juste flasque et non, il pourra pas les porter. Hein. Par contre, il clean. Par contre, il clean. Et un jour, on va faire de la tyrannie. De toute façon, c'était affiché. Effectivement. Bon, effectivement. Alors, du côté Alors, de du l'Upper Mage, on va pardon. continuer d'avancer sur Sacrieur qui a déjà pris quand même pas mal de dégâts. Bon, il y a aussi la multi, bien sûr, mais le panda qui est pas allé de main morte. On donne le buff PO Non, aussi à attends. Roublard. Attends, mais il s'est pas fait taper par le panda. Le sacré s'est pas fait taper. Il a tapé la kawotte le sacré. Ah non, le sacré joue libation. Ok, il a tapé des... Non, le sacré joue libation. Ok, my bad. Non, j'ai loupé cette info. Désolé, j'ai reçu un truc en même temps et pas totalement concentré. Ils sont en contre-as. C'est ça. Au fond, ils mettent toutes leurs invoques pour enlever des rases à l'équipe d'en face. C'est ça. Totalement la. Alors ça marche pas comme ça hein, Totalement. le jeu, hein, enfin. Ça serait rigolo. En vrai, ça Non. serait rigolo. Si, des combats PVP où t'as des effets de boss rigolos qui s'affichent. Alors, la surpuissante qui reste au fond et qui va pas faire son petit sort. Non. Juste elle se décale. Elle est plus 3 PM sur le panda. T'es sûr que ça ira la mode 12-12 Dofo, t'es sûr que ça ira? Alors, côté Roublard, la petite ruse, on va pouvoir étoupie avec le Kaboom. Ah non, attends. Était avec les cauchemars de son jeu, ça serait génial. Ça serait génial. On a encore 12 PA sur ce roublard de Shanghai. Bah Est-ce attends, mais qu'on il va a avancer là? étoupé la bombe à eau et. Sacrieur a déjà tous les boosts Kaboom. Ah, mais bah déjà pas vu, putain. Du coup, faut que j'arrête de louper des détails, moi. Du coup, côté Roublard, hop, on va directement s'avancer. La petite poudre qui va empêcher les adversaires de pousser et de choper la ligne sur le Sacrieur. Côté Ozamodas, avec Chanol, on a bah, juste un tofu mélanique qui est coincé dans un. Coincé plus loin. Et la surpuissante.
Le retour, le titan des animaux, le petit PM sur le panda qui joue 13 PM, c'est sympathique, c'est efficace. Et côté Ozymandias, bah, on va pouvoir juste taper un petit peu tout ce beau monde. Est-ce qu'on n'irait pas clean? Ouais, voilà, exactement, clean la bombe à eau. Non, ça va quand même aller chercher le sacré. Non, ça va être... Après, au fond de la map, on a quand même une sacrifiée. Je te rappelle que la dernière fois qu'on a vu une sacrifiée, elle a one-shot un panda. C'est vrai. Bon, le panda avait peut-être 800 PV, ok, mais elle l'a one-shot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, il Non, avait ça plus que passe ça, le panda, par contre. pas du tout le retrait Il avait PA. genre 1300 HP. Ah, ok, j'ai le souvenir qu'il y avait moins. Ok, ça fait un peu de clean. Ça fait un peu de clean, c'est pas mal en plus, ça prend son d'origami. Et Pas derrière, mal du ça tout, hein. entame le panda. Ça entame le panda. Bon, on est loin de le tuer. Hein. Le panda qui a encore 4800 PV. Plutôt serein. Il n'y a pas eu d'héros. Donc... Un peu... Allez, une petite fermentation au cas où. Temps de se mettre bien. Je sais pas trop ce qu'ils font du côté de squad là. Pour l'instant, je les vois un peu reculer. Mais c'est à peu près tout. Ok. Ok, ça débuffe le sacré. Il s'avance quand même, cependant. Il a pas peur. Il va porter le. Ok, il va porter le sacré. Ah non, il a plus de PM, donc il va juste revenir à pied. Il se remet vers la sacrifiée au fond de la map. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font du coup du côté de squad. J'ai un peu de mal à voir leur plan de jeu là. D'ailleurs, on l'avait pas dit le. Ah mais attends, si c'est ça, c'est peut-être ça. C'est que le. L'Oza et le. Sadie, ils ont le Domakuro pour proc les shields du panda. Mais du coup aussi, ils profitent, ils attendent un peu, ils temporisent histoire de proc les bonus du C'est Domakuro. la même strat que. L'autre soir, ouais. Ouais, effectivement. Que, attends, C'était que quoi? Shangri, non, l'autre soir? Oui, C'était c'était Shangri, l'autre Shanghai, ouais. soir. C'était Polia, ouais. Il y avait Caninu. Il tempo aussi la pré-tech. C'est vrai que du coup, ça tempo aussi la pré-tech. Le problème, c'est que bah, on a du marteau possédé sur deux persos sur trois dans cette équipe de Polia, donc faire attention quand même. Attends, il y a une déco. Je vais préparer la pause juste au cas où. Dofo, il joue quand? Ok, c'est le panda, il joue pas tout de suite. Ok, c'est bon, il s'est reconnecté. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, du côté du Sadida. Ok, il va mettre un poison paralysant. On pourrait pas mettre un petit tréant, peut-être? Là-bas, bon, il n'y a pas de belle zone, hein, mais. Il y a une zone avec la bombe, comme ça, si jamais il veut. Sinon, il y a le Rouve. Hein. Il a quand même 100 d'esquive PM. Après, il est aussi taclé par le panda, donc ça serait peut-être plus intéressant d'enlever des PM au sacré. Non, ok, il va prendre le Rouve là. Oh, le moins 2 qui passe, ok. Donc le Rouve qui est non seulement taclé, mais en plus. Ok, il est en 15-5. Il est quand même en 15-5, ce rond. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on stade tous les matchs qui durent une heure. Parce qu'on se tape tous les matchs qui durent une heure. Non, en vrai, c'est juste parce que bah, la draft est comme ça, hein, et pas trop de solutions. Côté Roublard, on va essayer de s'avancer un petit peu. On a 12 PA, hop, on va pouvoir aller chercher ce panda. On pose pas. Si, voilà, on pose l'héros directement, le Double double tour, non. héros. Je pense que Coup de là, Shanghai, charnière. il a pas trop envie de perdre de temps. Tous les dégâts posés doivent être pris sur l'érosion pour essayer d'accélérer le match, parce qu'ils savent que de toute manière, sur la durée, il va se faire avoir. Donc en plus de ça, il joue pas avec des persos qui sont blindés de PM de base et que bah t'as un Sadie Red PM en face, donc forcément l'impact est Ouais, un petit peu relou quoi. après c'est bien fait clean sa surpuissante quand même. Ok, ça remet un peu de shield. Ouais, mais là, le problème, c'est que le panda, il a pas besoin de shield. Hein. Il a besoin de pas se faire trop héros, quoi. Ah, merci Cyril pour le sub, merci beaucoup à toi. Merci, Cyril 49 pour ton sub. Merci, bienvenue dans le clan, le club très fermé des abonnés du Grapes Live. Alors, le bouffe tout mélanique, du coup, qui va venir gêner un peu le peur mage. Ça fait pas des dégâts monstrueux, hein, c'est juste pour venir le gêner, le tacler.
C'est juste très fermé. Ah oui, je peux vous le dire, vous n'êtes pas plus de. Si dans toute l'histoire du Graph Slav, il y a plus de 50 personnes qui ont swap, je serais très étonné. C'est Alors, ça, hein. le sacré du coup qui s'est détacle, qui va venir chercher le panda, profiter de l'érosion. Ah, il prend la zone aussi. Ça serait, c'est vrai que c'était pas mal. Ok, l'hécatombe. L'hécatombe, et ça commence, ça tape la sacrifier. C'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que cette sacrifiée, elle peut faire un peu des dommages. Oh, attention, attention, les vulnés qui sont placés sur l'Oblard. Malheureusement, pas de vulnés crit. Ok. Est-ce que t'es sûr que t'es assez loin, hein? Est-ce Hop. que t'es sûr que t'es assez loin, Dofo? Alors, Shanghai qui va pouvoir aller. Est-ce qu'il tue la sacrifiée quand même? Je pense que ça serait un bon move. Hein. Voilà. Ah, 58 PV encore. On va passer 2 PA. C'est quand même un bon move. Derrière, bon, ça va être compliqué d'aller chercher le panda. Juste, voilà. T'as plus à dire. Et le Robert qui met un petit coup au panda, toujours sur l'érosion, c'est intéressant. Alors, le Sadi. Alors, le Sadi qui joue pas là, j'ai l'impression. Réfléchis à 9 PA. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez hop, le petit Tréant qui est de retour, effectivement, le moins de PM qui tombe, le Vermage qui se retrouve à 3 PM, le Roublard à 5, par contre je le vois à 18 PA comme d'habitude, hein, les compos Roublard évidemment. La petite Folle qui s'en rajoute, ouais La ça va, folle, encore 15. c'est marrant, mais Ouais bah elle était placée derrière, tu vois. C'est intéressant qu'elle était placée derrière, parce que du coup, là, on est obligé de choisir soit on continue à rush sur les persos qui se sont fait un peu taper, soit on recule pour tuer la folle, mais c'est pas forcément une idée de fou, hein. Plutôt intéressant de l'avoir placée là, de la part de Zefing. Ok, on remet le kaboom. Est-ce qu'on a gardé cette bombe ou pas? Non. Non. Réponse, non. C'est dommage, hein, la bombe était quand même niveau 7, je crois. 7 ou 8. Ouais mais bon des fois faut libérer un petit peu le jeu donc forcément tu dois faire avec. Là pour le coup bah, le panda est le plus entamé. Pendant ce temps-là ça a essayé de trancher un petit peu dans les PDV de cette équipe de Polia. Malheureusement bah ça arrive pas tellement hein, donc faire attention quand même. Mais pour le moment ils sont relativement bien si ce n'est que ça va leur prendre 3 plombes d'aller chercher ce panda. Et merci pour le float, Tsubaki. Bienvenue à toi sur Merci le à toi. live. Ouh, attention, notre Tofu Doudou qui fait très très mal là. Ah, il a bien profité de la zone. Là, on a un Ouais, Roublard et un Looter qui sont effectivement, ça déconne pas bien. 0. Enfin, ils sont pas bien. Ah bah, ils Ah sont fait bah. taper. Non, non, oui, non. Ok, ils sont pas en danger de mort. Mais ils se sont pris quand même un gros tour. Attends, il y a le compteur de dégâts qui est encore en train de monter là. 2600, hein. 2632, ça fait quand même, ça picote. En plus, le mouvetou Mélanie qui est passé derrière. On va atteindre les 3000 de dégâts, du coup, non, 2955 sur le tour de Loza. Ah, il reste le tofu Mélanie. Il peut taper le gardien alimentaire juste pour faire monter voilà, le compteur au-dessus de 3000. Très très bien joué à lui. Alors, du côté de Shanghai, le sacrieur, on peut tuer le bouffetou, on peut tuer le tofu, mais malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, sauf s'il se transforme peut-être. Ok, Oh, la perfusion. perfusion! La libation de Et il remet retour, la minus 1 libation. HP. On a 7 PA, par contre, on est descendu en souffrance 6. Beaucoup plus de PO si besoin. La petite aversion. On peut faire un truc, genre une projection sur le... Ah non, ok, d'accord, ça va juste Et plaquer. petit C'est coup de vrai que c'est marteau. pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Il n'y a pas d'héros en face, hein.
Donc oui. Oza, c'est pas une classe DPS. Non, mais c'est un tour de Non. piqûre. Hein. Oui, un Tu prends tour ses de dommages piqûre, depuis le bon, début. il a fait 1000 en zone, ok, soit. Sur un tour piqûre, ça coûte quand même cher. Non, mais c'est quand même des bons dégâts. On va pas se mentir, c'est des bons dégâts. Ah oui. Ok, maîtrise, mais Ça on n'a pas prépare pu mettre clairement à un coup de marteau marteau. possédé. Non, Et là, non, par contre, peut-être. Il n'y a on a les rien deux à macros soigner. qui vont proc, non? On arrive au T4, hein, les deux macros vont proc. Ouais. Ah, au T5. Et oui. Pardon, on arrive à la fin du T4, ça, les deux macros, ils vont proc. Ça va commencer à être intéressant. Alors, C'est côté vrai que le match. pommage, 2 PM. Et que Hop, la clean le petite tofu. contrib qui est gratuite, allez hop. Non? Tac, la petite pola, Non, ça il va va être une chercher la raffole. folle, non? Qui? Ok. Oh, c'est gratos, hein, allez hop. En plus, ça le Hydralement, régène en plus, hein, crit, donc. let's go. PA restant, le petit traitement runique, allez hop, c'est Oh, parti. ça soigne bien le sacré. On Et est c'est ouf plutôt parce serein que. du côté de Shanghai. Ben, non, mais en fait, cette équipe de squad peut juste pas trancher à travers les points de vie et la Alors, régène, en fait. aussi, il joue à moitié, hein, c'est ça. On attendait le Domakuro, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus. Il Oui, mais jouait pas non alors, plus. je Voilà, suis les pas sûr. 64. Je Les suis pas sûr 64 que d'eau le qui proc. Domakuro devienne transcendant. Mais par contre, oui, du coup, ça veut dire que niveau offense, il devrait être un petit peu plus présent déjà. Ça Côté va changer le gameplay, Sadia, oui. hop, on a double Voilà, place à infection, munitions voilà. vaudou. Là, on se para. Ah oui, effectivement, niveau dégâts, c'est pas mal. La deuxième, on se para. Directement 800 sur Roublard et sur le pommage, plus Amal et Vaudou. 4 PA restants, le petit Trahiran qui va être là pour réinfecter le Roublard, probablement. Et on vient bloquer les lignes de vue, encore une fois. Ça va Allez, surtout hop. bloquer la ligne. Parce que là, il y a une zone héros. Il y a une Ouais, zone troublante, mais il a que effectivement, 2 on a que PM. 2 PM. C'est compliqué d'aller chercher la zone troublante avec 2 PM. Plus un arbre au milieu. Exactement. On utilise 1 PM. On a quand même 14 PA. Hein. Pas rien. Ok, piège magnétique. Oh, c'est bien vu, il a refait la zone du coup avec l'arbre. C'est pas mal. Ok, non, mais il met pas de tromblon. Et en mettre un quand même, non? Non, pas de tromblon. Ok, juste un shrapnel. Et Loza qui propre le Bakuro à son tour, 40 dommages lui. Shanghai, il maîtrise bien son upper match, il est en forme cette saison. Mais Shanghai a toujours été en forme. Hein. On l'a quasiment vu, je crois, sur toutes les Gold League. Hein. Shanghai, il a toujours été très très proche de la Gold. Hein, donc, c'est un très très bon joueur. Hein. Pas forcément, hein. Il est tout seul, donc forcément c'est plus compliqué, je pense, de remporter une goal. Parce que forcément, bah, t'as qu'un cerveau au lieu de 3 ou 4. Comblons à 3 PO maintenant. Ah oui, effectivement, merci Mielu. Je disais, oui, Shanghai, effectivement, on le voit pas remporter forcément des goals, mais il se maintient toujours dans la gold et tout, il est toujours dans le coin. Donc, très 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 bon joueur, Shanghai. On le voit pas remporter, mais il est dans les phases finales quand même. Oui, non, mais oui. Non, mais c'est ça. Mais je pense que ce qui lui manque, c'est comme il est tout seul, ou qu'ils sont pas beaucoup dans son équipe en général, ils sont un ou deux, bah forcément, tu as moins de vision globale que. Et je pense que c'est juste ça qui manque, quoi. C'est que par rapport à une équipe qui sont trois cerveaux ou quatre cerveaux, Ouais, forcément. alors par contre, là, le Roublard commence à prendre très cher. Très cher, il a pas de PM. Ses mates peuvent pas vraiment. Enfin, là, le Sacrieur, il a déjà claqué la perfusion. Tant qu'il se prend pas lui-même des dégâts, bah ça sert à rien. Sauf que, bah. Le Celidas, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tapé l'Upper Mage et le Roublard, pas le Sacrière. Pas de perfusion qui approc. Ouais. Après, ils ont déjà entamé un petit peu le panda, mais le panda c'est un peu carapaté. Ça va être compliqué de continuer à le taper là. On va voir ce qui est décidé. C'est vrai que là maintenant que le Sally a son Domakuro et ses malédictions vaudou, il va faire très très mal. Hein. Ah bah on l'a bien vu, il tape bien le Celidas. Hein. Après le sacri là, il a le Sally juste en face. Ok, le sacrifice. Encore 10 PA pour mettre des buffs. Transfert de vie, 8 PA encore. Transfusion, pardon, pas de transfert de vie. Pareil. Allez hop, la petite hécatombe qui est gratos, on se L'hécatombe. régène. Allez hop, deuxième hécatombe. On va bloquer le soin de ce Sadida. On va directement à son cac, on proc la libation. Sacrilleur qui remonte assez bien. Malheureusement, bah, on a toujours un Roublard qui est low life. Et un panda qui peut aller le chercher s'il a envie. Faire attention. Ça va toquer à la porte là. Est-ce que ça Hop. serait efficace Les d'aller. Ah non, ouh. ça met les. Ouh, ça crit. Et ça va porter le. Allez hop. Après, là, il est pas dans... il va attirer avec ses fers de la tyrannie, donc il va pas proc son état indéplaçable. C'est vrai. Ah non, ok, il le jette. Match Ok, quoi. cool, il le jette.
Comment il t'entend? Et oui, Shanghai, du coup, qui a 15 PA, mais qui n'a que 3 PM. Hein. Très compliqué les PM sur cette équipe de Polia. Ouais, bah, le Red PM du Sadida qui fait son taf, mine de rien, petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace? On a un état terre sur le Westa. Un état plutôt sur le Westa. Non, Ah, pas je d'état. viens de voir que le compteur a dépassé les 75. Merci Ah beaucoup. oui! Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont sur le stream. Alors, ok, on vire le. Ok, il va Le se passer par-dessus Wasta, le Wasta. Il va aller chercher le. Non, c'est pas le Sali. Ok, ouais. Non, il va est-ce qu'il va multiplier les mettre. états élémentaires pour. Ah, mais il n'a pas eu le temps de. Il n'avait pas de quoi poser la contrib maintenant. Par contre, le gardien élémentaire va faire son taf. On va aller Il tuer avait plus de temps aussi. les invocations. Hop. Il va clean un peu le jeu. C'est vrai que le Sadida, là, maintenant, il a plus d'invocations. Le Zamodas, il a un bouffe tout mélanique. Un albinos plutôt qui est dans un coin et un tofu mélanique en bas. Voilà. Ça marche, Marcellus. À la prochaine! Bonne soirée à toi. Alors, côté Celia, ouais, effectivement, on est un petit peu limité. Le poison para qui a été reposé. On a un roublard qui est toujours sous Tréant, donc on est plutôt bien. Merci Lexorino pour le follow. On est. Ouais, malheureusement, avec la perfusion, ça va soigner le roublard. Ça va pas être si rentable que ça. Merci Power. Merci beaucoup à toi. Ouais, le Sadik qui essaye d'entre. Ah, il a pas eu le temps de lancer son sort par contre. Je sais pas, il n'avait pas les perles. Bah si. Peut-être louper un détail. Je vais Non, je rigoler suis sur la con. rediff. Non, il a reposé sur le roublard. Il s'est juste approché Hein? du de l'upper. Et j'ai du mal, moi, ce soir. Hein. Hop. Le roublard qui a 4 PM. Toujours un peu compliqué. Ouais, on est un petit peu limité là. On va pouvoir entourloupe. On aura la PO tout juste pour Tromblon le Sadida. On a l'épée en Voilà. plus pour le faire. Le petit. Ah, Double dommage, pas le shrapnel tromblon. en plus. Ah, bombe du coup. Oh, le moins 2 PA Ah, mais direct. le Sadi qui passe en dessous des 4000 PV max aussi. Ouais, ça picote, hein. Donc là, du coup, ils sont un peu planqués. Je vais juste vous déplacer le jeu pour que vous puissiez voir un peu le combat. Voilà. Ok, côté Ozamodas, on va directement aller profiter de cette zone. Ce serait con, on a le tofu doré. Alors, on a un déplumage, mais on n'a pas de piqûre pour ce tour. 4 PA restants. Le petit bouffeton albinos qui est reposé derrière. Albinos est clairement là parce que justement, le permage va probablement être TP symétriquement, hein, comme le roublard d'ailleurs. La perfusion qui carry un petit peu. Ouais, C'est pas mal avec le sacrifice. c'est pas mal, ouais. Et le Ah, permage qui perfusion peut venir sacrifice, s'asseoir. c'est toujours un combo très solide. Hein. Toujours, oui, Perfusion effectivement. sacrifice, assez efficace. Ouais. Ok, Et le le moins de retrait PA PA sur qui le père. passe avec les petits dégâts en plus. Hein, c'est toujours intéressant parce qu'on a une Malévo Doux et c'est le gros avantage du mode relique de l'Aurore Pourpre justement sur le Sadida. C'est que du coup, même en étant feu-air pour pouvoir proc la Malévo Doux et les ronces paralysantes, on a quand même des dégâts qui sont suffisamment intéressants en haut pour rentabiliser la Malévo Doux haut dès qu'on a un peu de retrait PA à faire avec la folle ou le bouffe albinos comme cette composition. Le Tofu Est-ce Mlanik, que. tranquillement, qui va continuer de taper. Est-ce qu'il peut transposer ce sacré pour aller chercher le sadi là? Voilà. D'autres questions? On dirait. Il remet Le la retour de la perfusion. perfusion, Non? 8 PA. Il On veut a pas chercher le sadi? l'alivation à fin de tour côté Sacrière. Oh, la transfusion. Hop. Transfusion. Une hécatombe? Et Ouais, l'hécatombe encore une l'hécatombe fois. qui va faire du bien. Hein. Le sadi qui pourra pas trop se soigner. Ouais, le Sacrière qui est plutôt bien là. Non, il avait déjà proc. Il avait déjà proc sa libation par contre. Et Il était bien. stab et on va porter le Sadi. Non? Il va pas Allez dans le hop. cul. Le petit Ouais, c'est bon, il va pas le petit dans le debuff cul. sur le roublard. Le dans le cul, la vue le nez. On va aller clairement ramener ce. Ah non, même pas. Ok, ça va juste porter le Sadi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à. Enfin, à moins de vouloir les balancer à perpète. Tu te contentes juste de les avoir en ligne de vue du Sadi ou tu portes le Sadi pour être bien. Là, l'avantage, c'est qu'avec la stab, on est vraiment tranquille. Le permage va rien pouvoir faire pour le Sadi là. Et on n'a personne d'autre dérodé et on est plutôt bien sur les autres persos. Le panda est remonté à 4500 HP. Par contre, voilà, on a un upper mage qui n'est pas taclé et qui a enfin tous ses PM qui pourrait en profiter pour aller taper un petit peu tout ce beau monde. Allez, Ok, je pense 1, qu'on va 2, juste 3, 4. claquer la Il a contrib des ruines aussi. éventuellement. S'il a besoin de Pas... faire un petit traitement. Je sais pas s'il a le traitement. Si, on l'a déjà vu jouer tout à l'heure. Oui, si, oui, il en a fait. Ok, le volcan. On a une contrib into traitement qui peut marcher. Allez hop, la petite contrib. Le tribut d'abord. Contrib, Et le ça traitement soigne. derrière. Wow!
Voilà, le sacré qui a bien remonté, hein, plus il y a combien de runes, hein? 2, 3, 4, 5, 6. 1200, 1200, il s'est pris en soin. 1300, ouais, tranquillement, voilà, c'est un sacré qui est remonté. Lui, Il est remonté plutôt out of efficace. life et il n'y avait pas de pacte de sang hein, parce qu'il joue Libation. Donc pas de bonus HP en plus qui aurait pu augmenter tout ça. Par contre, ce Salida, du coup, la petite Malévolue qui a reposé, on va directement claquer les petites ronces para. On n'a pas grand chose à faire puisqu'on a pris moins 2 PA du Roublard tout à l'heure, donc on peut pas vraiment faire un combo complet. On a besoin de maintenir cette érosion, cette infection avec le Tréant tous les tours à chaque fois. Le Roublard réinfecté, etc. En plus de ça, là, on a chopé le gardien élémentaire, ce qui est toujours pas mal, puisqu'il claque des dégâts sur les invocations depuis tout à l'heure. Et du coup, côté Roublard, eh bien, on est bloqué 4 PM, et on a déjà claqué l'entour loop. Je crois pas qu'il ait la relance, hein, puisqu'il a claqué juste avant. Et bien, Ceci libé. dit, on a la PO pour aller tromblon quand même le panda, si Le besoin. panda. Et allez, hop, Allez, ça c'est le part. panda qui va prendre l'érosion. Et Et le ça petit retrait bloque. PA avant. Non, ça bloque pas. Non, non, ça retire juste des PA, hop, le deuxième. Qui passe En mur, zone, hop, c'est pas et mieux. le chapeau. Ça tue le tout. On a quand même un beau clean là. On n'a plus que quoi? On a un bouffe-tout albinos encore et une gonflable, c'est tout. Ouais, parce qu'en fait, le gros Le. avantage, c'est que du coup, l'Upper Mage bah, spam les runes en tapant les invocations. Mais en plus de ça, il s'auto-régène avec les volcans. Il peut poser des traits de porolique, il peut poser ses contribs. Donc forcément, c'est super avantageux de taper les invocations naturellement. En fait, c'est pas en mode bah tiens, non, j'ai pas envie de taper les invocations. Ou par contre, ou les dégâts sous Malévolue en plus, le Roublard finissant à Oui. 1700. Mais y a le, y a, là, du coup, pour le coup, il y a le Domakuro de Losa plus celui du Sanil. Ouais, effectivement, on a un bouffe-tout albinos qui en plus de ça va pouvoir proc la Malévolue au plus ses propres dégâts derrière. Je serais pas serein pour. Voilà. Oui, c'est effectivement c'est un sort en zone. Tiens. Cracher Albino, c'est le truc qu'enlève de l'esquive. Par contre, là, du coup, on a un panda qui va se Il faire avait pas les full. pierres. Ah, coup de La marteau, maîtrise on est en d'art zone. et hop, le petit Coup de martal. marteau. 100, 700. Le Deuxième, deuxième. ok. Et le Roublard qui a monté full life, l'Upper Mage aussi, et le retour de la transfusion encore une fois. C'est tellement cyclique, c'est une maestria de soins. Le truc c'est que là on a un panda qui pourrait éventuellement Ok, il a vu le nez. repose la vulnée. Tu m'étonnes que le Roublard il Problème, prend des c'est que. dégâts comme ça. Hein. Ouais, forcément, ouais. Effectivement, ça tape pas les deux mots courants, mais surtout les vulnés. Après, là, il a mis les deux vulnés. Ouais, il a mis les deux, ok. Et puis il s'en va à l'autre bout du monde. Ah, mais c'est insupportable. Reviens! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il passe sur Loza? Ouais, mais Loza, il est pas du tout héros, donc. Toujours un petit peu Intéressant. limité dans ce qu'il veut faire. Hein. Le panda est héros, hein. Il y a un tremblon sur le panda. Mais Oui, eux, il y a un tremblon. ok, il y a un Le debuff debuff de d'une part, l'upper. on va virer les vulnérés, bien sûr, hein, et surtout l'état infecté du Sanila. Elle est Alors, infectée, ouais. pas complètement viré, hein, puisqu'il a toujours l'infecté du Tréant, et ça ne partira de toute manière qu'après le tour du Sanila, donc il pourra toujours en profiter. Et remarteau! Allez, à Allez hop, plus! le Martal, le Roublard qui est remonté à 3500 HP. Ah, je serai l'équipe de squad, je pèterai un câble. Bah, je serai l'équipe de Polia, je peux être un câble aussi avec le Red PM, mais bon, après. Disons que les réponses sont logiques. Ils sont toutes les deux dans Raphaël le et Spou, cancer. Raphaël et Spou, ils vont faire leur deuxième match, ce sera 23h. Hein. Je te le dis. Ouais, alors. S'il te plaît, porte pas la Shkoumoun. Allez hop, la ronce para directement. On avait le gardien élémentaire en plus qui est infecté. Les dégâts sont quand même corrects, hein, mine de rien, il y avait toujours la Malévolue. C'était pas le On a encore roublard. Hein. 7 PA. De quoi? Le roublard s'est pas pris beaucoup de dégâts là. Bah non, bah après il a pris un peu de dégâts, mais il était remonté à 3700 HP le Roublard. Ça gratouille quoi, c'est tout. Par contre, il y a une Petite belle PA. zone triangle qui enlève pas beaucoup de PM pour le coup. Ah, mais le roublard on est plus le 3, ok. Et le Purmage. Ah, le Purmage, il avait plus cette Ah, PA. il a fois la moins 3, c'est. Le Roublard qui est en 9-2. Est-ce qu'il ferait pas juste un double tromblon Osa, quitte à faire? Je sais Je pas sais s'il a plus intéressant. pas. Hein, Désolé, Pian. Désolé pour toi. Attends, aïe, coup dur. Ok, petite bombe à eau, il y a toujours le kaboom. Non, ok, on remet le kaboom. Ça permet de clean ou Asta, c'est pas mal. Est-ce qu'on met un tromblon quand même, histoire de maintenir de l'héros? Après, le problème, c'est que l'Osa, il joue juste après. Hein, donc. Ça a deux Que secondes un en effet, on va blabot. spammer les boosts kaboom et la petite reski. Est-ce Allez que. hop, moins un seulement. Non, j'allais dire un blabot pour histoire d'empêcher que Loza aille trop vers ses mates. Mais Il finalement, il a changera pas 7 PM et grand-chose, tout, hein. il aurait pas pu le Besoin de mettre date, pas c'est plus loin. avancé Ouais. de lui-même, hein, donc. Ça allait pas changer grand-chose.
Ok, on a la piqûre qui est revenue ou pas? Oui. Oui, donc là, on a un upper qui a passé un mauvais quart d'heure, là. Ouais, ça va continuer de taper l'upper mage, effectivement. C'est le Mais le groupe qui vulne, roublard donc qui ça prend va. toujours. Bah ouais, moi je me. Bah non, il va peut-être Attends, aller juste remarque. chercher. Non, ouais. Ça va juste Est-ce aller chercher que, l'upper, ouais, du hein. coup, est-ce que le tofu irait pas chercher le robot? T'as raison. Là, Il autant. peut peut-être prendre une zone, non? Il va Beko S'il souffler, transpose il va le. pousser, du coup, et. Ouais, c'est ça. J'ai dit, sinon, il transpose le roublard pour faire sa zone. Mais oui, effectivement, il a juste à pousser le peur et ça lui fait une zone. On Oh, va voir. 342 sur le roublard avec le binos. Allez, hop, la petite poussée, et hop, c'est parti pour la zone. 450, 490. Le roublard qui proc son ivoire, 1300 HP, 1900 HP sur Stopper Mage. Côté Sacrière, on va devoir Sacrifice. relancer le soin là pour le coup. Hein, le retour des Après, ils sont en transfondeurs. zone marteau. Hein. Ils sont en Oui, zone non, mais marteau, donc. je pense que c'est ce qui va être fait. Hein, c'est juste que. Après, Ok, la libation. Ça le peut-être éviter de sacrifice, le problème, c'est que transfusion tu du le mets coup. sur qui? Parce que le double sacrifice, Oh, je c'est vais toujours faire pire. dangereux. Hop, Martal. Allez hop. Et Deuxième. Martal. Allez hop. Oh, le 911 sur le. Et le peur, il a juste à se décaler, il fait pareil. Ou même pas besoin de se Voilà, décaler. Voilà. c'est. Alors, le panda qui va devoir bah, essayer de split l'équipe adverse, il ne veut pas encore se reprendre de coups de marteau. Ou alors, ça va juste Peut prendre la pas zone cercle. split, Hein. hein. Il a vu le nez. Ok, non, bah, pas de zone cercle, du coup, ça va juste re-isoler. Alors, c'est dangereux, ouais, de. J'espère que tu te rebarres avec ton sali, toi. C'est bon. Ou moi le camp avec ta classe. Hop. Bon, le peur, je pense qu'il va devoir clean la sacrifier. La folle, pardon, pas la sacrifier, la folle. Le tofu, peut-être. Parce que le gardien élémentaire a clairement pas les PM pour aller la chercher. Enfin, il lui manque un PM. Après, il y a le tofu doré aussi. Il Ce fait sera pas du intéressant de passer 900. sous la piqûre. Il fait pas du 900, de toute façon. Non, mais ça aurait permis à l'upper mage d'éviter d'avoir besoin de faire un full tour sur la folle. Il spamme marteau, mais rien d'autre, malheureusement. Oui, effectivement. Bah, C'est. il Pour n'a l'instant, pas ça. grand-chose d'autre à faire pour le moment en fait. Il n'a pas trop l'occasion de placer de l'héros et tout, donc. C'est pas comme si Ok, tu là, avais il le place temps. des runes. Il va mettre un traitement unique sur le. Martal. Coup de marteau. En plus, ça proc la perfusion, c'est pas mal. Et Et le le traitement traitement. unique sur le sacré. Un petit coup sur l'Oza quand même. Voilà. Ah bah c'est Et gratos hein. l'Oblivar. Alpanda par contre il a 35% d'autre, c'est chiant. Voilà, le Alors, CD le qui est clean un de peu à l'autre l'homme-flamme. bout du monde. Est-ce qu'il peut pas remettre un tréant là, vu la zone Ça lui coûte cher, mais il peut le mettre. Pour rentable. De toute manière, il a besoin de maintenir l'affection pour pouvoir reposer sa malle vaudou. Oh, la petite ponce insolente qui est gratos, qui fait des dégâts corrects en plus. Hein. C'est fini là. Mais je sais pas trop ce qu'il peut faire hein, du côté de Polia. Ils ont un peu du mal à aller chercher l'héros et tout. Ils ont pas trop de PM. Il y a le jeu en face qui commence à rester en place, hein, parce qu'avant ils arrivaient bien à clean tout. Là Rester maintenant, en place, après, rester moins de en place. 3 PM. Alors attends, le roublard a pas encore joué. Il y a encore une folle qui est là depuis 2 tours. Il y a une surpuissante qui est là. Le tofu doudou a pas été clean. La surpuissante, elle vient d'être posée. La folle, il y a eu la gonflable qui a été clean juste avant. Le tofu doré, il a été posé juste avant. Oh, il va chercher la zone héros. La petite Bon. aimantation. Allez hop. Ça va prendre la zone avec la folle et le Mouvetou. Piège magnétique. Ok, ça va faire péter. Oh, cette zone. Et une belle zone. Ah, Une belle cette zone. Ok, zone royale. j'avoue, c'est pas mal. Et ça clean la folle. Ça clean la folle. Le Mouvetou a Ça clean le pas. Mouvetou. Ça clean le Mouvetou. Ça râle PA tout le monde. Ah, bah, rien à dire, hein, Shanghai. C'est tout repti. Le panda a 9 PA en plus. Ça fait 2-3 dégâts, mais. Ouais, mais le panda, il s'en fout un peu de ta 9 PA. Enfin. Ça fait une vulnée en moins. Ouais, Ok, c'est même pas l'Oza trop. Modeste qui Ok. décide de rush, gros répulsif. On va essayer de claquer le maximum de dégâts. 2500 HP. Mais là, Possible. le Ruby va se faire Alors, sacrifier. il n'y a pas de malé vaudou, hein, on n'oublie pas. Elle n'a pas été reposée. Allez hop, le Mouvetou Albinos qui arrive derrière. Oh, le moins 3 PM. Et moins Et de le moins PA. Allez, hop. 2 PA derrière. Non, mais. Tous les jours, le sacré, il sacrifie. Là. Je crois qu'il a le retour sacrifice. Donc. Est-ce que là on a un roublard qui a 1000 PV hein? Attention.
Par contre, là, il y a des zones pour à peu près tous les sorts du monde. Okay, 11 PA. Voilà, le sacrifice qui tombe. Est-ce qu'il va aller taper le Sadida du coup? Ok, douleur cuisante, hécatombe. Très gêne bien. Le Sally descend bien, allez hop, la transfusion qui est Sort replacée, du ça re-soigne un petit peu tout le monde. Alors oui, par contre le roublard du coup qui est un peu mal. On va voir comment le Père Mage va réussir à Il est sous pouvoir descendre les sacrifice. mauvais pas parce que. Ouais, alors. Il est sous sacrifice, Oui, donc c'est pas et capable. puis il y a un panda souillure. Ouais, Ouais, mais il faut c'est qu'il ce qu'on disait juste s'approche. avant. Oui, enfin C'est un c'est un monkey pot panda. qui a le sacrifice. Oui, c'est Oui, un monkey pot, c'est oui. pas une erreur. C'est pas une erreur de l'overlay. Oui. Ok, le Sally qui va se faire éjecter loin, non? Du coup, il n'y a pas eu de debuff. Non, on laisse le sacrifice faire. Alors, côté upper mage, on est taclé. L'état affaibli, par contre, qui est relou, hein, parce que du coup, ça l'empêche de marteau posséder. Ce qui est quand même, ma foi, le principal atout de cet upper mage pour le moment. Enfin, et ses traitements runiques et ses contrées, bien sûr, Oui, évidemment. c'est ce que j'allais dire. Les Rendons. traitements uniques, on aime bien carrément. Voilà, rendons à César ce qu'il y a à César, quand même. Le Oula, il y a César, c'est Quenta surgagné. qui vient juger l'upper mage. Donc. C'est parce qu'il se dit pourquoi ils ont déjà fait leurs deux matchs alors que nous on n'en a fait qu'un. En C'est fait, non, surtout c'est le que premier. c'est leur maximum de lancer de leur match en fait. Allez hop, le petit Et traitement hop, ça runique, soigne. voilà qui est vraiment là pour le bonus, les Petit petits dégâts qui traitement. sont posés sur le panda. C'est assez résiduel hein. Ah, c'est vrai que s'ils arrivent à tuer le Sally, l'équipe de squad elle est un petit peu dans la panade. Mais c'est compliqué de le tuer là. Ça dit, il est D'accord. porté. Il n'y a pas la stab ce tour-ci, mais il était dans un coin. C'est faire de la tyrannie, donc c'était plutôt serein. Et prochain tour, je crois qu'il y a la stab. Hein, donc... Là, il peut descendre. Le rouble lui mettra pas un tour à 2500. Hein, donc... Ah bah non, le Et puis... roublard il est sacrifice et il est sous perfusion. PA sur ce Une Sadida. PA. On a un PM. Hein. Le roublard, un PM. Ouais bah c'est pas étonnant. Hein. Et le triangle qui va être placé pour reprendre la zone infection en haut, Upper Mage et Sacré. Non? Oui, il a pas pris la zone. Je pense que c'est un misclick. Il y avait une raison de ne pas le faire sur le Sacré. Ah bah peut-être pour éviter le proc perfusion. Attends, je sais pas. S'il y a un expert dans le chat qui a une idée, peut-être autre. Je Je vois que sais pas, ça moi là je en vois pas. tête. Caroblard, 11 PA, La 1 PM. perfume, ok. Ouais, un PM, c'est... On pourrait aller chercher le Salida avec une ruse. Ouais, il y va. Hop. Augmentation, ça marche aussi. Ça tient Ah, un le petit mur. mur, hop, le shrapnel. Oh, le roublard il se venge. Hein. Le roublard il se venge clairement. 1600 HP, 8 PA sur ce Sadida. Et on a Ça repris un retire quand même. tromblon, donc l'érosion encore qui est reposée. Et côté aux Amodas, bah on est un petit peu dans la mêlée. Alors, on n'est absolument pas taclé, puisque bah, les adversaires n'ont pas tant de ça de tacle. Et que le mode est juste blindé de fuite. Ouais, on est d'accord, Miel, c'est bien pour la perfusion. Ouais, mais du coup, faut pas taper le sacré. Bah, il n'y a pas trop le choix. Je... Oh, si, j'ai pas Mais si, taclé. il est pas taclé. Et en Ah vrai, non, non, j'ai je un pense que doute. c'est juste pour bloquer le passage. Par contre, effectivement, le petit bouffe touche-à-tin qui va être là pour poser la pesanteur. Ce qui devrait limiter un petit peu les actions. Cette survie de l'équipe de Polia, je sais pas si on en parle assez, mais Le vraiment. sadique qui est bas, hein, 1600, il n'y a pas de soin. Hein. Rappel, il n'y a pas de soin. Il n'y a que le panda qui a son Ça, hein. marteau, je crois. Ici, le panda a son marteau quand même. Et niveau Ah, mais c'est. érosion, le Sadi, il a pas pris tant que ça. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de. Ok. Oui, mais le problème, c'est que là, le panda, s'il met deux coups de marteau, il met deux coups de marteau stab, il porte et c'est fini. Hein. Ah oui, mais dans tous les cas, Et il a c'est pas d'autre mort. chose à faire. C'est vrai. Il met plus de vulné. Il met plus de vulné. Ouais, mais bon, au pire, il met un coup de marteau et une vulnée, quoi. Faut qu'il fléau, le sadi. Mais c'est un peu compliqué quand t'es porté par un panda à l'autre bout du monde. Bon, là, c'est le sacré, du coup, avec son sacrifice qui se fait bien défoncer. Il va pouvoir se régénérer. Là, il a toutes les zones du monde. Un PM par contre. Hein. C'est toujours pas bizant ça. Exactement. Et la perfusion qui est replacée, je crois que c'est la huitième qu'on voit dans le combat à peu près. Ouais, c'est ça. La version.
Et ça se régène bien, hein. Ça se régène bien derrière le multi. Côté du panda, on va devoir soigner son Oza, son Sadi, pardon, pas son Oza. L'Oza, s'en fout, personne le soigne, personne le tape. Voilà. Ouh, ok, j'ai rien dit, le coup de marteau. Mais du coup, pas de stab. Pas de stab, mais un Sadi qui est full vie. Sadi qui est remonté à 3400 PV. Easy. Ce match est pixel survie. Ouais, mais. Je crois qu'ils ont oublié que l'objectif c'était pas de survivre jusqu'au T21, c'est aussi de tuer les adversaires avant le T21. Alors, Shanghai qui s'énerve sur un arbre. Non, il se booste aussi. J'aime bien s'énerver sur un arbre. J'en sais rien. J'aime bien s'énerver sur un arbre. Niveau érosion, c'est serré. Hein. Et en vrai, je comprends pas pourquoi à chaque fois ils avaient l'Oza qui était juste devant eux. Et. Moi, tu vois, je me dirais, ok, bah, c'est pas grave. J'ai droit de loser. J'ai pas le niveau de Shanghai, hein, non plus. Et sûrement des. C'est sûrement pas une bonne idée. Je pense surtout qu'ils veulent vraiment maintenir leur focus et que quitte à ne pas, quitte à ne pas partir sur autre chose, Dans la là pendant ce zone. temps-là, ils claquent les PA pour se soigner et tout. Zone d'infection. Mais du coup, le Sonic avait perdu des PA là et qui a rien pu faire. Plus de tours en un match chez vous que les trois premiers matchs de la KT. Attends. Plus de tours en un match que les trois premiers matchs. Ah! Définir 2-3 tours les matchs sur la KT. Bah, on a eu le même problème, on a eu le même problème sur la dernière Attention, soirée, hein. Ça se veut deux attention, dernières soirées plutôt. attention, attention. Est-ce que. Alors, côté Mais là, il roublard, peut pas aller sur sa ligne. Le tremblant, il a non, juste non, non, manqué une case. Hein. il a pas de quoi le faire. Pièce Magnétique, c'est magnétique, bon. du coup, il peut. Hop, la petite explosion. Alors, il a que 6 PA, donc il va pas pouvoir non plus faire des tonnes et des tonnes. Par contre, voilà, le raid passe, ça passe aussi un petit peu sur la surpuis, le Sadik qui redescend. Alors, malheureusement, il s'est fait régène entre temps, donc il est remonté, il a 2900 HP, mais 3300 HP max. Par contre, ouais, c'est vraiment un match de longue durée, c'est super compliqué à analyser correctement, puisque bah, Joue c'est bien. beaucoup Ah mais ça joue bien. beaucoup de Ça cycles. joue. Ça joue bien. Ah oui, non, mais c'est défensivement parlant, c'est un truc de ouf hein, le match. Hein. Et merde, comment on appelle ça? Les formations tortues, tu sais, dans l'armée romaine. T'as vraiment plein de soldats qui sont avec des gros boucliers au-dessus d'eux. Ils ont beau se prendre des volées de flèches, ils continuent d'avancer. C'est un peu l'idée de la compo de Shanghai. On va l'appeler comme ça, formation tortue. Et je sais pas comment faut le prendre hein, d'ailleurs. Mais La après, le phrase problème, rigole. c'est aussi qu'ils peuvent pas aller plus vite. Parce que de toute façon, ils ont que 1 PM. Donc, dans tous les cas, ils peuvent pas Ah vraiment non jouer à mais l'assif, bah quoi. voilà c'est juste bah c'est un terrain embourbé quoi c'est normal. Alors, le Sadi, est-ce le sacré, est-ce qu'il peut aller chercher le Sadi? Là, il y a de l'héros. Ça serait le tour pour aller mettre un. S'il peut transpo, non? Non, non, peut pas. On pline le châtain. On pline le. Ok. Reste encore 3 PA, on peut clean l'albinos. Shanghai, il est lent de toute façon. S'il te plaît, c'est pas très gentil ça. De toute façon, tout vient à point qui sait attendre. Ok, ça remet les vulnés sur le. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus le sacrifice. Il n'y a plus le sacrifice là. Ce roublard, il a le double vulné, il n'y a plus de sacrifice. Et on va porter le. Ça dit, on peut mettre une stab si on veut. Ouh, la place qui... Ok, la stab qui est placée. Alors, Est-ce que le peur il a moyen? Il faudrait qu'il vire le. Il faudrait qu'il vire le roublard de là. Hein. Sinon le Sadi va lui salut faire sa fête. Zekirivam. Salut le Graham. C'est très drôle, on a l'assemblée des Dofus dans le chat du coup. Faut courir. Y a des ocres, il y a un ivoire, il y a un tofu. Alors, qu'est-ce qu'il Alors, peut faire? côté upper mage, on va continuer de spammer. Allez, on va enfin clean ce Wasta. On pourra s'en faire un, reposer un par Dofus juste après, hein, très clairement. On a 7 PA. Ce serait pas mal en fait, ce serait de réussir à poser une rune feu un petit peu loin. Malheureusement, bah, on n'a pas la PO pour faire quoi que ce soit. Là, on va juste se contenter de spammer les runes et c'est très rentable. Ouais, punch!
Même un peu plus d'ailleurs, le compteur est pas totalement à jour. Non, le compteur il se rafraîchit quand Twitch rafraîchit. Ouais, il y a un petit décalage par rapport à Twitch. Ok, alors, côté roublard, du coup. Et des bandes T'as posé dégâts, le Saïda roublard qui plutôt. tombe 2800 PV, reste 4 PA, ok, juste on continue à taper. Pas serein le boug, hein, pas serein. Et le permage Et qui le continue burmage de qui arrive. descendre. Hein. Et je Bon, il est veux loin voir les le dégâts de burmage. ce Sadie à la fin du match. Hein. C'est drôle à En quel sachant qu'il point en on a fait fait. zéro. C'est Sachant drôle qu'il en a à fait quel. zéro sur le 5e tour. Hein. C'est drôle à quel point le Sadie cite une haine Ah. très forte, mais que c'est pourtant le meilleur des mage-healers du jeu quand on le voit, concrètement. Est-ce que ça Ok. passerait pas enfin sur l'Oza? Bah visiblement le raid, non, il passe pas très bien sur le. Il passe pas enfin sur l'Oza. PA, Oui, la ouais. Ah, resti. Ah si, moins 2, ça moins va. deux, moins deux. 7 PA sur l'Oza Modeste. Un Oza qui tombe à 2600, tu vois, ça va quand même assez vite, je trouve. C'est vrai, hein, ça paraît pas comme ça, mais c'est pas mal. Hein. 49 999, entre 20 et 30 000. 50 000 Bah entre 20 et 30 000. Bah, vous faites ferez vos vos paris pronostics. à la fin du match. Bah, Faites faites vos vos paris pronostics maintenant et on les dans le prend en chat. compte. On les prendra en C'est pas compte à des la fin paris, du c'est juste tournoi. des pronostics. Oui, enfin, mettez vos On pronostics. verra. On verra s'il y a des gens qui arrivent à deviner les dégâts totaux de ce Sadidin. Je rappelle que ça compte la malédiction vaudou, ça compte l'infection et tout. Allez, l'albinos piqûre, ça va aller chercher l'upper mage. Hey. Ça va faire des dégâts, ça proc la malé vaudou. Allez hop, les dégâts sont solides. Ouh, 591. C'est le On est secteur obligé qui de joue sortir le après. marteau possédé là. On est Ah obligé de bah sortir le marteau toujours. possédé. Mais on est taclé. Bon après on peut se détacler facilement, une aversion ça c'est simple. 14 PA sur ce sacré mine de rien. Hop. La version tranquillement. Est-ce qu'on a moyen d'attirer? Voilà, ce Ramener roublard, on va le. aller prendre la zone. Voilà. Et c'est pas mal, est-ce que ça ramène l'Oza du coup Allez, aussi? Martal, deuxième Martal. On dit un Martal des marteaux, bien sûr. La première game, elle a été gagnée par. J'ai peur de dire une bêtise là d'un coup. Rappel, rappel. C'est Raphaël. Raphaël qui l'a gagné. Ok, J'ai peur des voilà, on est échecs obligé de critiques, s'avancer. quoique. Non. On est obligé de Non. s'avancer avec son Sadida. On est obligé de s'avancer avec son Sadida pour aller sauver l'Oza Modas. Hein. Mais du Ouais, coup, mais on a un là, il peut Sadida qui balancer. Il peut explose. balan. Non, parce qu'il peut balancer l'Ozamodas loin et reporter son Sadie. Toujours. Ok, ah ouais, ok. C'est trop important pour le Sadida d'être porté dans tous les cas. Allez, le debuff qui est claqué. Alors, on n'oublie pas maintenant hein, que le debuff, ça vire aussi le kaboom. Enfin, les effets du kaboom. Voilà, exactement pire. Un Martal des marteaux. Un Domakuro. Ouais, effectivement, Domakuro, bah en fait. Le Domakuro revient un petit peu à la mode sur les compositions Panda, parce que du coup, sur des compositions de temporisation comme ça, comme on a avec Ozamodas plus Sadida, en fait, on met le Tacheté sur le Panda, on met les Domakuro sur les autres persos, et vu que le Panda va très peu taper sur les premiers tours, il va directement gratifier de 300 PV tous les membres de sa team. Ce qui fait que, bah, grosso modo, tu vas faire ça sur 3, 4 tours facilement sur les 5 premiers, donc tu vas pouvoir gratter bah, voilà, 900-1200 PV, rien que sur ça, le temps que le Domakuro stack. Et ensuite, même si le Domakuro est stacké, bah t'es tranquille pour la suite. Puisque bah, du coup, tu peux continuer aussi de stacker toi-même. Enfin, tu peux continuer de proc le Tacheté et le Domakuro. Et du coup, pouvoir en profiter. Non, Expachen, pour le coup, c'est le jeu. Hein, c'est un combat anti-héros, quoi, c'est normal. Les anciens échecs critiques, c'était de la merde, hein, faut le dire aussi. Mais pour imaginer un contre, en fait, le problème, c'est que les armes de soins. Pour les rendre plus fluides, et vu qu'elles sont globalement moins fortes que les armes classiques, Oh, les moins de 3 PA sur la folle. c'est que bah, justement, on est à 2 par tour pour les marteaux. Il y en aurait eu Alors un par par tour, contre, le match serait déjà terminé. Ouais. je sais pas si t'as vu, le panda et l'oza ont exactement le même nombre de PV. Voilà, c'est important de le Oui, souligner. effectivement. Effectivement, et on est très très Ah proche aussi de cette team de. Oh, la zone, encore moins la 2, zone moins red 2. PA. On a moyen d'aller chercher l'Ozamodas en héros. Non, ok, on va éviter. Avec 2 PM, c'est compliqué quand même. Non, il pouvait, il s'avançait de 2 PM et il avait. La roue l'armise. Mais où Mes est-il souvenirs donc? critiques en étant supporter de Brumaire ou Gouta. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, never forget là. Eh, Ça le c'est. problème. Dans 30 ans, on en parlera encore. En soi, il n'y a que 3 marteaux possédés. Hein. C'est pas si énorme que ça. Hein. On a déjà vu des matchs avec triple marteau possédé d'un côté et un marteau possédé en face encore. Ou triple Rick. Non, c'est encore autre chose. Je parle de matchs
comment dire, courant. Il aurait dû jouer méga bombe, il pose pas de blabot. Mais peut-être qu'il joue méga bombe, tu sais pas. Alors Lalinos est quand même revenu. Ça continue de faire le raid, ça continue de gratter les dégâts. Le Sacnic a 14 PA. Est-ce qu'il peut faire des gros dégâts? Il n'y a pas d'héros, il n'y a pas d'héros, hein. Y a pas d'héros qui était replacé. Donc. Ok, la perfusion qui est replacée, coup de marteau. Et hop, ça soigne. Incroyable. Et le permage, il n'y a pas d'héros en face, il a 3000 PV max. Il n'y a pas d'héros en face. Oh, les CC du marteau possédé. C'est incroyable la survie, là. Ok, 4 PM de plus avec le pont C'est dans le cul, mais on n'a que très 6 PA. drôle. C'est très drôle, ça me rappelle une époque. Je sais pas si c'est encore d'actualité, notamment avec la nouvelle Faux Malter, level 150, mais à une époque, quand tu faisais du colis 150 avec une team opti, c'était régulier d'avoir deux persos feu avec le marteau ronto, pour les mêmes raisons. Hein, mais le marteau ronto est beaucoup plus aléatoire Oh! par contre. C'est aller chercher le roublard, par contre, il l'a Ouais, gardé mais il a pas porté. histoire avec. Marque, comme ça, le peur peut pas lui faire un traitement unique. Mais il a Ouais, qu'une mais le ruine, donc. Saïda peut pas le taper du coup. Oui, bah, il est infecté, donc le Sadi peut le taper à travers les autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est effectivement le cas, ouais, le roublard pourra pas se faire trop se faire soigner. Bon après, il a 2200 HP, il va s'en sortir. Alors non, je suis pas d'accord, Pion, hein, parce qu'un étype crit avant, avec un bon jet dessus, c'était méga violent quand même. Hein. Ça Ça refait saute des de dégâts 8 par sur le jeton. Sadi. Ça maintient la pression sur le Sadi dans 2500 PV. Ouais, le petit moins 2 PA en plus Mais. de ça qui carry, 9 PA. Le panda peut pas remettre le Wasta pour empêcher le coup de marteau. Si, si, je pense. Après, est-ce qu'il a les PA pour le faire à chaque tour? C'est toujours un peu le problème. Alors, pas poser le Wasta à chaque tour, mais juste avoir les PA en plus pour pouvoir poser le Wasta. Ça fait plusieurs C'est tours qu'il ça. ne le fait pas. Le problème, c'est que le panda, il doit mettre des coups de marteau, il doit mettre des wastas, il doit porter, il doit mettre des vulnés, il a beaucoup de choses à faire, quoi. Ok, alors c'est pas mal. Est-ce qu'on n'a pas un triangle qui va venir attirer le permage pour une fois? Pour le reculer un peu de la mêlée. Ouais, l'éloigner. Bah là, le truc, c'est que faut faire une procédure d'éloignement. Là, ce permage, il est trop collant pour le roublard. Ou juste infecter le sacré. Non, juste Juste infecter le infecter le peur. peur. Ok. Ok, ça tire pas, ça enlève un PM. Après, il va se prendre un coup de folle, du coup, le permage. En vrai, t'es le roublard, tu descends, tu fous les rôles panda, non? Il y en a marre, là. Et il y a mal à barre, hein, du coup. Alors, non. Alors, si. Non, ok, ça continue à retourner Allez, la petite ruse sur des le Sadi, toupies. il a les PM. Oh, il a. Oh, c'est Ah! Loza qui va se faire virer. Je vais remettre un coup d'héros s'il veut. Allez, les toupies. Ah, oh! Heureusement qu'ils ont up les PV du roublabot. Heureusement qu'ils ont up. Et la Sinon, petite là. pastille avec le petit la petite bombe à eau, ok. 6 PA sur ce Sadida. Et du coup, l'Ozamodas qui va se faire envoyer à Babelwed. Là, par contre, ça va être relou pour lui. Hein. Ah, Là, ça va être relou pour lui. Hein. J'ai déni là pour Chanol. L'éloigner vu le nombre de runes feu, c'est inutile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le permage avec ses runes feu dans tous les cas, donc il aurait pu Ouais, puis repousser surtout Rasset. que. Alors, j'ai pas vu, il l'a posé juste le tour d'avant, celle-là? Mais dans Suis tous les cas, sûr. c'est pas gratuit les transpos avec un upper. Mais oui. Ça aurait pas été si intéressant que ça. L'informant. Ok, L'informant. l'informo. C'est drôle, c'est que l'informo il prend quand même l'érosion. Ok, ça va aller chercher le sacrière, ok. Bon, roi de PA, c'est classique. Des petits dégâts en plus. Pour gratos. La petite perfu. Oh, les dégâts de fin de combat, bon sang. Quelqu'un veut revoir ses pronostics? On est tour 14, hein. Il n'y a toujours pas eu un kill. On a un sacré qui a 1600 PV, un upper qui a 3000 PV, un roublard qui a 2300, Est-ce que le et un Sacrière Sadida il qui est irait pas pas loin. juste transpo le panda en fait pour essayer de l'éloigner au Mais il est maximum? Ah mais non taxé, hein. il est en état. Non mais la transpo non, mais l'état indéplaçable surtout. Ouais. Et maintenant, c'est bon. IPA, Est-ce qu'il peut aller l'hécatombe sur le frapper Sadida. Hein. le. Bah hécatombe hein. En douleur puisante, Il ok. Ça va clean la prend la zone. gonflable. C'est pas mal, hein. Ok, Ça dit qu'il tombe à 1500. 1500 PV. Côté panda. Alors, on sera taclé par le peur, mais on a besoin de balancer ce upper mage pour pouvoir passer.
On n'a pas de consolation si gratuite que ça. En tout cas, pas. Non, on n'a pas la PO, donc va falloir spammer les picoles pour ça. Ok, nausée. Nausée. On va pouvoir aller chercher, c'est bon. Consolation, hop, on peut stab et on peut porter. Stab et on porte, c'est bon. Ah, mais bon, bon. Ouais, mais. Skyal, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de nous foutre le seum? je déconne, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce genre de match. Donc, Écoute, eux, ils sont en quatrième match. Nous, on est encore en train de savourer le deuxième, tu vois. Ok, on claque pas la rune, donc on va vouloir traitement runique, probablement. IPA, ouais, le marteau possédé qui tombe sur le sacrilleur. On a encore les deux PA pour traitement runique. On a trois runes sur le terrain. Pas si rentable pour traitement runique, mais c'est pas mal. Là, il peut fléau peut-être. Mais le problème, c'est qu'il a que 6 PA. Ah non, il a 8, pardon. Il en a 8. Il en a 8. Donc il peut poison para into fléau, effectivement. Ça peut être le bon coup. Il en a 9 du coup, Abyssal PA. Avec l'Abyssal. Donc il peut même double fléau. Alors, Malévaudou, non, on va préférer... Là, il remet ça ici, Vaudou. Il va préférer coller... Et ça tape le permage, hein. Les dégâts que ça... Le permage... Ouais, mais après, on a quand même le... Il y a quand même le sacrifice qui revient, là, je crois, donc. Oh, les dégâts, pareil que ça colle. Ah, le permage qui descend à 1600, le roublard à 1400. 700, 1400, plutôt. Mais là, je pense que le sacré, il peut juste sacrifier quelqu'un et soigner l'autre avec son marteau. Le problème, c'est que ça fera pas des gros dégâts. Il peut sacrifier les deux, et le problème, c'est qu'il... Je pense que c'est dangereux. Il va prendre... Ouais, il va prendre beaucoup trop cher. Et je suis d'accord avec toi, Lawson, effectivement. Il y a une zone... Zone Tromblon, zone presque... Ok, non, ça. Là, c'est zone Kaboom. La zone Tromblon sur ses alliés aussi. Non, je parlais de la folle et du panda. C'est vrai que le panda est pas forcément... La blague. 5 PA. Après, le panda, s'il prend de l'érosion, il commence à prendre des dégâts, ça va être relou. Hein. En 2 PA, ouais, mais ils sont T15, hein. Faut qu'ils arrivent à prendre un kill. Ouais. Mais attends, est-ce qu'on n'a pas une piqûre sur l'Ozamodas pour le permage? Déjà, on repose le bouffetou mélanique. Le bouffetou albinos avec son initiative, ça peut marcher. Ouh, donc, ça, attends, c'est peut-être le kill. Hein. Mais pour moi, c'est le kill. Hein. 8 PA. 8 PA. Le deuxième fossile. Alors, il n'y a plus de malévodou. Parce qu'il n'y a plus de malévodou. Il n'y a plus de proc. Même, regarde, non, 478. Il y a le bouffetou mélanique qui va attirer, qui va pouvoir faire ses dégâts. Le bouffetou albinos qui va pouvoir aussi claquer ses dégâts et qui va proc la malévodou. Ah ouais. Pour moi, c'est le kill de l'upper. Oui. Hein. Oui, 216, ouais. Ça s'attire, ça arrête PA et ça clean. Et c'est la mort de l'upper. Et ça fait 10. Alors attends, est-ce qu'ils C'était. Est-ce qu'ils peuvent équilibrer? Est-ce qu'ils peuvent équilibrer en 5 tours? Ça me paraît vraiment complexe, honnêtement. 5 tours, ça me paraît vraiment complexe. Ok, le sacrifice sur... Oui, bah du coup, maintenant, il peut full spam sacrifice sur son roublard, hein, puisque... Les matchs à rallonge, ça vous arrange, parce qu'il y a des raids et ça augmente les stats de... Alors oui, ça augmente les stats de... Le compteur, ça augmente le compteur, mais ça compte pas pour la demande de partenariat. C'est vraiment 75 de vanilla. C'est ça. Sans les raids et sans les hébergements. C'est pour ça aussi que les Twitch Prime et les... Et les gift subs ne comptent que partiellement dans le compteur de subs. Il faut des subs de base natifs. Ok, bon, là ça va spammer les soins. Il va juste être insupportable. De toute façon, la squad, ils sont en 3v2. Ils reculent, ils ont 4 tours à tenir. En panda, ouais. Ça dit, ils peuvent tenir 4 tours. Exactement. Côté Sadi, bah, là il a pas de ligne de vue, mais bon, on a un roublard à 1300 HP qui va jouer juste après. J'ai peu d'espoir malheureusement pour Polia à ce stade. Pour moi là c'est compliqué. Tout ce qu'il peut essayer de faire, c'est juste de tenir jusqu'au T20 pour perdre moins de points, en gros pour faire du 3-2 au lieu du 3-0. C'est les petits points de kill quoi. Ah ouais, c'est ce qu'il disait la dernière fois. C'est ce qu'il essayait de faire avec les nuls l'autre jour, mais... Après, je pense qu'ils peuvent, tenir 4 tours, hein, vu qu'en face, ils vont avoir tendance à se barrer. Eux, ils peuvent aussi se barrer. Il y a le sacrifice, il y a les marteaux, il y a le marteau, perfusion et tout, donc je pense que ça se fait. Les gifts, ça compte un peu ou pas du tout? Alors, ça compte, ça nous donne des sous, ça c'est sûr, mais ça compte pas dans le compteur pour proc le partenariat Twitch. Les sub-gifts. Et c'est les Twitch Prime, ça compte, mais qu'à moitié, il te faut autant de Twitch Prime que de Twitch que d'abonnements normaux aussi. C'est ça. Pour pouvoir demander le partage. Un ratio entre les deux, en fait. C'est ça. Si t'as que des Twitch Prime, tu peux pas demander le partenariat. Ok, ça clean la folle. Ça continue à taper le Sadi. On a quand même un Sadi qui tombe à 1700 PV.
problème, c'est que là, on a Loza qui joue. Après, Loza ne pourra pas forcément le protéger beaucoup. Et Roublard, on a 1300 HP, on est split avec le Sacrieur. Ouais, bah là, l'Oza, il va juste spammer le Red PM. Hein. Il y a beau avoir la perfusion, malheureusement, le Sacrieur, je doute qu'il puisse aller chercher le Roublard à chaque fois. Ouais, le Surtout Boucou avec la Chata prison en de plus, carte. ouais. Assez compliqué. Compliqué pour Shanghai là, je le vois pas trop comment il peut remonter. Mais c'était un très beau match quand même. Hein. C'est un très beau match. Et il y en aura encore un autre. Je rappelle que c'est que le deuxième match de la soirée qui est 22h30. On n'est pas du tout à la bourre. Oui, alors vu la. Merci beaucoup, Pian, pour les subs. Merci Merci beaucoup à Pian, toi. merci à toi. Ah, les 5 Merci subs. beaucoup. Eh bah, du coup, j'ai regratté un sub. Ah, bah, bravo. Bien joué à toi. L'avenir du blanc. Merci Merci beaucoup, Pian. beaucoup. Du coup, vous allez avoir 15 animations de coffre sur le. Ouais. Ouais, j'ai plus le sub. J'ai plus de sub sur Twitch actuellement. Bon, le sacré qui est bien remonté. Il y a clean. Et le Somodas qui descend à 2600, mais bon, il est loin de le tuer. Hein. Et le problème, c'est que là-bas, on a un Roublard qui est tout seul, 1600 PV. Et à ce Le roublard point, et sa après, j'ai question un. du. Oui. Allez hop, full soin de. On est quand même en dessous des 3000 PV max hein, sur ces leads. Vous êtes sub à votre propre chaîne dans compte dans votre. Alors, par défaut, tu es sub à ta propre chaîne, en fait, Cyril. T'as pas besoin de payer pour ça. Par défaut, tu es sub à ta propre chaîne. Alors, le Sadik a quand même fait un beau tour. Ça fait 2-3 dégâts. Bon, après, c'est pas incroyable, mais le Sacré qui tombe quand même à 1600 PV. Et derrière, la folle qui fait son taf de folle, à hein, moins 3 PA sur le Roublard. Alors, encore 9 PA sur ce Roublard. Petit piège magnétique, on va remettre une bombe, et ça prend la zone. Ça va taper Loza. Loza qui est quand même pas bien. Hein. Mais là, il a une piqûre, non? Il revient. Est-ce que le Sacri survit à un gros tour de piqûre? Et en plus, il y a un Mélanie qui peut venir faire des dégâts. Vraie question ça, vraie question, vraie question. L'Ozemodas qui Non. va juste. Attends, là, il en a où? Ça tape Yes, il le va juste Roublard, taper. il a moins de rester, donc c'est plus Il a intéressant. surtout un bouclier reste distance, donc il va le taper en Ouais, mêlée. c'est ce que j'allais dire ouais, au niveau des raids. La Est-ce que ça piqûre qui fait le revient. kill? Non, pour moi, ça fait pas le kill. Hein. Avec la malédiction vaudou? Ah, Non. si, ok. Effectivement, j'avais pas vu la mêlée vaudou, c'est vrai que. Ça vole le kill. Si. Et ça fait le. Voilà, on abandonne du côté du groupe. C'est la fin du match. Alors, combien Je de vais devoir être dégâts? qu'à 30 petites secondes. Je vais te laisser gérer ça. Je t'ai affiché la drague.